Illustrator, dessinateur de presse, dessinateur publicitaire, dessinateur illustrateur de bouquins, auteur de bande dessinée. Voilà, je suis un petit peu un touche-à-tout dans le dessin parce que j'aime bien un peu justement ne pas, m'exécuter dans un seul domaine. Moi, je suis très sensibilisé aux deux conflits mondiaux, donc 14-18 et 39-45. Et bon, vu que c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale, l'occasion était faite de montrer un peu mes travaux autour sur le sujet. Comme j'ai réalisé pas mal de bouquins et d'ouvrages, bandes dessinées ou de livres d'histoire avec Patrick Bousquet sur le thème, l'idée est venue par les responsables du musée de montrer mes planches. Donc moi, j'ai accepté tout de suite parce que l'occasion de rentrer dans un musée une fois dans sa vie, c'est pas à part en tant que visiteur, mais plutôt en tant que, on va dire, en tant que tableau et accroché au mur, c'est pas tous les jours. Donc j'ai dit OK. J'ai toujours dessiné pour être tranquille. Mes parents ou grands-parents me filaient une rame de feuilles et des crayons de couleur et je pouvais rester 3 semaines d'affilée en dessinant sans aucun problème. Moi, depuis très petit, je sais que je voulais vivre du dessin et c'est à l'âge de 13 ou 14 ans où j'ai vendu mon premier dessin. Je me suis dit, effectivement, on peut gagner sa croûte en faisant ça. Puis voilà, donc j'ai continué dans cette voie. Puis ça m'a pas trop mal réussi jusqu'à maintenant. Ouais, BD, BD, illustration. J'ai à un moment touché un peu au dessin animé, mais là j'ai laissé tomber parce qu'on peut pas tout faire. Illustration, du dessin de presse, j'aime beaucoup le dessin de presse aussi. Réagir un peu à l'actu, à chaud ou à froid. Ouais, j'ai un peu un touche à tout, mais j'aime bien. Ça peut passer d'un genre à l'autre, du dessin comique au dessin réaliste. Bon, ça fait que je suis un bon amateur dans tous les domaines et peut-être un petit professionnel dans tous aussi, voilà. Ah, Le Chien Bleu, parce que c'est mon scénariste, Patrick Bousquet, donc l'écrivain pour qui j'illustre pas mal de ses bouquins, avec qui je travaille, donc qui écrit la plupart de mes textes, qui est un fou des animaux et qui a une série qui s'appelle Bleu, le chien des tranchées, qui est l'histoire d'un chien sanitaire. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chiens sur mes dessins. Ah, même avant, j'ai commencé plutôt par les Schtroumpfs, par Lucky Luke, Astérix, Tintin. Et après, plus tard, bien sûr, la génération pilote avec Blueberry, Tanguy la Verdure. J'ai découvert Tardi, donc qui est un peu le maître dans le domaine au niveau de la BD de 14-18. Non, j'ai pas forcément de maître. J'ai des gens que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas de maître en la matière. J'ai beaucoup de dessinateurs que j'aime beaucoup, et puis ils sont nombreux. De toute façon, moi, quand je vois un de mes collègues dessiner, je suis toujours hyper jaloux de voir ce qu'il fait. C'est pas possible qu'il arrive à faire ça. Mais en discutant avec eux, les propos s'inversent, donc c'est pas plus mal. Donc c'est assez émoustillant de se rencontrer entre nous. Au niveau dessin, dans lequel je suis plus à l'aise, c'est plutôt dans mon côté dessin humoristique pour jeunes. C'est-à-dire je suis plutôt de l'école belge, de l'école de la bande à Spirou, grosso modo. Et en dessin réaliste, j'ai beaucoup d'affection pour des gens comme Hugo Pratt et tout. Bon, j'en suis pas encore à ce niveau-là peut-être, mais j'aime beaucoup le noir et le blanc, les gros alpins noir et blanc. Donc, j'aime bien beaucoup Cabu, je trouve. Alors lui, il est hyper talentueux, il vous croque un bonhomme sans l'avoir connu d'une manière caricaturale exacte dès le départ. Des gens un peu comme Plantuc, et puis pas mal d'autres jeunes, parce que après, je peux pas citer tout le monde, mais ma présence dans ce musée. Ben, je suis assez flatté. voilà, bon, ça va faire pleurer ma mère, mais bon, c'est tant pis. Hein. C'est un soldat français qui est fusillé, un de ceux qui avait dit « Oh non, on a marre de partir au massacre pour rien ». Et j'avais envie de montrer ça comme ça, parce que je trouve que c'est plutôt de certains de leurs généraux gradés, dont je tairai les noms, qui auraient mieux fait de se retrouver devant le poteau. Là, parce que c'est vrai qu'à un moment, on les envoyait un peu à la barbe au massacre pour rien. Il y avait enfin bref, donc j'avais envie de faire un petit clin d'œil comme ça et rendre hommage à ceux qui ont à un moment su dire non, parce qu'il faut apprendre à dire non de temps en temps.